Naomi Kulibali. Bienvenue à l'afterculte de la Vista Sergi. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Kouala. Bonjour Naomi. Notre programme de jeûne et prière tient à sa fin. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous en pensez de ce moment que nous avons eu, qui a eu pour thème « Lève-toi et brille ». Franchement, ce moment, je pense que ça a été un moment vraiment très bénéfique pour moi personnellement, et je suppose que c'est pour tout le monde également. Franchement, ça a été un moment très enrichissant. Je crois que passer du temps dans la présence de Dieu ne peut faire que du bien. Et moi, personnellement, j'ai été renouvelée, restaurée, fortifiée. Et je crois que ça a été de même pour chaque personne qui a bien voulu prendre part à ces moments-là. J'ai dû merci à Dieu parce que ça a été un moment très riche sur tous les plans. Donc, pour ma part, ce sont des moments que éventuellement on pourrait de temps en temps faire pour encourager, pour soutenir, pour faire du bien au peuple de Dieu, parce qu'on en a besoin. Surtout où le monde va mal, on a vraiment besoin de se rapprocher plus de Dieu, avec des serviteurs de Dieu qui met à part pour nous accompagner dans cet élan. Donc pour moi, je pense que c'est des moments bénis. Donc vraiment, à Dieu seul soit la gloire pour tout ce qu'il fait à la Vista. Et comme souvent notre père, le pasteur Yoel, le dit, on n'a pas la meilleure assemblée de Dieu qu'il soit. Ce qu'on a de meilleur, c'est la parole de Dieu. Et moi, je veux rajouter quelque chose, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais aussi c'est important de vivre sa foi dans un lieu où vraiment la parole de Dieu est prêchée dans son intégralité. Donc vraiment, pour celui qui doute encore ou qui est perdu, moi je t'invite à venir à la Mestade. Il y a la parole de Dieu, il y a la présence de Dieu et la Bible se vit vraiment, réellement. Moi je peux en témoigner, je suis une preuve palpable. Donc vraiment, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, venez, vous êtes à la bonne place ici. Merci. Merci beaucoup, Tata. Bon dimanche à tout le monde. Soyez bénis. Amen.